Le colibri, également connu sous le nom d'oiseau-mouche, est un petit oiseau fascinant et hautement spécialisé que l'on trouve principalement dans les Amériques. Voici quelques informations sur les colibris. Apparence, les colibris sont de petits oiseaux, souvent d'une taille similaire à celle d'un gros insecte. Ils ont un corps mince et allongé, avec des ailes courtes et arrondies. Leur plumage est généralement très coloré, avec des teintes vives de vert, de bleu, de rouge, de violet et d'autres couleurs éclatantes. Cette coloration est souvent le résultat d'une combinaison de pigments et de réfraction de la lumière sur leurs plumes. Les colibris ont également un long bec mince et pointu, idéal pour atteindre les fleurs et extraire le nectar. Diversité des espèces. Il existe plus de 300 espèces de colibris réparties dans les Amériques, principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces espèces varient en taille, en couleur et en comportement. Par exemple, le colibri abeille, Melisuga ilnée, est l'une des plus petites espèces de colibris, mesurant environ 5 à 6 cm de long, tandis que le colibri géant, Patagonia giga, est l'une des plus grandes espèces, atteignant jusqu'à 23 cm de longueur. Les colibris sont célèbres pour leur vol agile et rapide. Ils sont capables de battre leurs ailes à une vitesse incroyable, allant jusqu'à 80 battements par seconde, ce qui leur permet de rester en vol stationnaire et même de voler en arrière. Leur vol est également caractérisé par des mouvements brusques et des changements de direction rapides. Ces capacités de vol extraordinaires sont rendues possibles par leur musculature spéciale et leur morphologie adaptée. Alimentation. Les colibris se nourrissent principalement de nectar de fleurs. Leur long bec leur permet d'atteindre les parties profondes des fleurs pour extraire le nectar sucré. Ils utilisent leur langue tubulaire longue et fendue pour aspirer le nectar. En plus du nectar, les colibris complètent leur régime alimentaire avec de petits insectes et des araignées qui fournissent des protéines nécessaires à leur survie. Migration, de nombreuses espèces de colibris sont migratrices, parcourant de grandes distances entre leurs aires de reproduction et d'hivernage. Certains colibris peuvent traverser le golfe du Mexique lors de leur migration, une distance de plus de 800 km. Les colibris sont capables de stocker de l'énergie sous forme de graisse avant leur migration afin de soutenir leur voyage. We'll be right back.
reproduction, les colibris mâles utilisent souvent des comportements de parade nuptiale spectaculaires pour attirer les femelles. Cela peut inclure des vols en forme de U, des plongées verticales rapides et des affichages de couleurs vives. Les femelles construisent des nids en forme de coupe à partir de matériaux tels que des toiles d'araignée, des mousses et des lichens, et elles les fixent souvent à des branches ou des arbres. Les femelles pondent généralement 2 œufs, qu'elles incubent pendant environ 2 semaines. Les colibris se reproduisent souvent dans les régions tropicales et subtropicales. Territorialité. Les colibris sont des oiseaux territoriaux et défendent farouchement leurs zones d'alimentation et leurs aires de reproduction contre les intrus, en particulier les autres colibris. Les mâles défendent souvent des zones riches en fleurs pour attirer les femelles et repousser les rivaux. Ils peuvent effectuer des vols de parade complexes, se lancer dans des poursuites aériennes et même se battre en utilisant leur bec comme une arme. Migration des espèces. Certaines espèces de colibris sont des migrateurs à longue distance. Par exemple, le colibri à gorge rubis, Archilochus colubris, effectue une migration annuelle entre le nord des États-Unis et le Mexique ou l'Amérique centrale. Ces migrations peuvent être épuisantes pour ces petits oiseaux, mais ils sont capables de s'orienter en utilisant des repères visuels, des signaux géomagnétiques et leur mémoire spatiale. Coévolution avec les fleurs. Les colibris ont évolué en étroite relation avec les fleurs, ce qui a conduit à une coévolution fascinante entre les deux. Les fleurs produisent du nectar sucré pour attirer les colibris, qui se nourrissent de ce nectar tout en se nourrissant en pollinisant les fleurs. Les fleurs qui attirent les colibris ont souvent des formes tubulaires adaptées à leur bec et sont souvent de couleurs vives pour les repérer facilement. Les colibris ont une bonne mémoire spatiale et peuvent se souvenir des emplacements des fleurs riches en nectar. Métabolisme élevé. Les colibris ont un métabolisme très rapide pour soutenir leur vol actif et leur mode de vie énergivore. Ils ont besoin de consommer de grandes quantités de nourriture pour maintenir leur niveau d'énergie élevé. Les colibris peuvent visiter des centaines de fleurs par jour et consommer jusqu'à 2 fois leur poids corporel en nectar pour répondre à leurs besoins énergétiques. Les colibris sont des créatures extraordinaires qui suscitent l'émerveillement grâce à leur comportement aérien acrobatique, leur plumage éclatant et leur relation symbiotique avec les fleurs. Leur petite taille et leur rapidité en font des sujets d'études fascinants pour les scientifiques et des visiteurs populaires dans les jardins et les zones naturelles où ils peuvent être observés en train de se nourrir et de se battre pour protéger leur territoire.
battements d'ailes, les colibris sont connus pour leurs battements d'ailes rapides et puissants. En moyenne, ils battent leurs ailes de 10 à 15 fois par seconde, mais certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 80 battements par seconde. Cette vitesse de battement des ailes leur permet de maintenir un vol stationnaire, de voler en arrière et de réaliser des manœuvres aériennes complexes. Longévité. La durée de vie moyenne d'un colibri varie en fonction de l'espèce et des conditions environnementales, mais en général, les colibris ont une durée de vie relativement courte. La plupart des colibris vivent de 3 à 5 ans, bien que certaines espèces puissent vivre jusqu'à 10 ans ou plus.